Bonjour et merci de nous retrouver chaque mois pour notre magazine Côté Sud. Bonjour Philippe, alors Valencia. Bonjour Loïc et bonjour à vous. En fait, oui, j'étais à Valencia car j'étais invité par un professeur du Berklee Institute. Le très célèbre, la fameuse école de musique américaine qui s'est installée en Espagne. L'école par excellence, en effet. Ce très célèbre institut est né en Espagne en 2012, je crois. Et en fait, j'étais invité par un professeur pour un projet d'équipement. C'est purement magique. C'est une véritable immersion dans la musique. Des locaux magnifiques, tant en salle de concert, de classe, de studio, d'atelier, mais aussi de logement. Car en fait, à Berklee, 1500 élèves vivent en musique 24 heures sur 24. Des équipements de haut de gamme, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Tout est mis en œuvre pour que les élèves travaillent avec non seulement les outils actuels, les meilleurs outils actuels, mais aussi les outils de demain. D'ailleurs, petite confidence, le nombre de L1 Bose est impressionnant. Un peu de tourisme, j'imagine. Bien sûr, comment faire autrement? En réalité, d'autant que j'étais à Valencia en pleine Fallas. Les Fallas, c'est la plus grande et la plus belle fête espagnole. Cette année, ni plus ni moins que 380 failles. Elles étaient fabuleuses, et autant pour les enfants, les ninotes. Et côté musique? Alors, côté musique, là, des concerts partout. Et surtout, 380 défilés qui apportent des fleurs à la Vierge, et donc 380 orchestres ou bandas. C'est magique. La musique en Espagne est vraiment présente d'une manière incroyable. Nouveauté. Le mini-salon Sud-Clavier aura lieu le 31 mai et le 1er juin. Au programme, musique, matos, amitié, le partage du Sud. Côté son, bien sûr, les plus grandes marques, mais surtout, une comparaison Yamaha, Nexo et Bose. Les enceintes traditionnelles face au line array. Le son, la puissance, la diffusion avec des musiciens et un extérieur en condition. Sans oublier la révélation Bose 2018, la S1. Et puis, dans le domaine des claviers, Ketron ne sera pas présent sur ce salon, mais un match important. PA1000 Korg face au PSR S975. Michel Dutch et Joël Radusinski, deux frères ennemis. Mais au fait, Philippe, votre avis? C'est toujours difficile de répondre à ce type de questions. Mais je vais sortir de mes gongs pour une fois et sincèrement, sur le plan son, j'ai un faible pour le PA1000. Le son est magnifique, c'est vraiment très 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 beau. Mais par contre, alors je n'aime pas du tout son design, qui pour moi est un petit peu ancien, et puis cette couleur, j'arrive pas à m'y faire. Par contre, c'est un merveilleux instrument qui sera le complément idéal d'un Genos, alors que le PSR 975 sera le grand copain du PA4X. Donc fromage et dessert au même menu, c'est tout à fait possible pour trois fois rien en plus. Et les vidéos très bientôt sur notre site internet. Absolument. Côté expander, BK7M ou SD40? À mon sens, difficile de comparer compte tenu de la différence de prix qui est du simple au double. Le BK7M est une entrée de gamme irréprochable en son, style, format, dans un créneau de prix tout à fait attractif. Dommage la disparition du pédalier FC7, une grosse erreur de Roland. Oui. Un modèle plus haut de gamme serait le bienvenu et étant attendu. Ce qui explique d'ailleurs le succès du SD40 Ketron. Le son, compact, les styles très baloches, même s'il en manque de nombreux. Dis donc, tu es un petit peu acide avec les deux, je trouve. Non, je suis juste le porte-parole de nos clients. Je vous rappelle, Philippe, que notre rôle est avant tout d'informer honnêtement. Ce sont deux superbes expanders, des styles qui sont magnifiques, mais avec quelques manques, tout simplement. Microphone. Alors Philippe, HF numérique ou analogique, que choisir?
en sachant que les HF analogiques vont disparaître peu à peu. En premier lieu, les ventes des fréquences par l'ex-gouvernement à tous les opérateurs téléphoniques, Orange, SFR, etc., puis la pollution de plus en plus importante des ondes, difficile à gérer. Des inconvénients pour les stations HF analogiques, bien sûr, il y en a. Ils sont nombreux. Voici les principaux. Le brouillage des ondes, le moustachage des fréquences audio interdites, la bande de fréquence qui est réduite de 70-80 à 12 kg maximum, alors qu'en numérique, nous travaillons sur des bandes Wi-Fi, donc stables, non moustachables, ça c'est très important, et puis surtout avec une bande de fréquence de 30 à 20 kg. Voilà, ce qui donne une précision au son qui est assez incroyable. Les constructeurs, par contre, sont toujours les mêmes. Sennheiser et Shure, les ténors. Et puis, arrivée de Line 6, la marque de Yamaha, qui propose des entrées de gamme accessibles de bonne qualité. Il en est de même pour le mixage. Le numérique est bien là, détrônant l'analogique. Les tables analogiques existent toujours, bien sûr. Mais ne rêvez pas, on n'en trouve pas à 300 ou 400 euros. Vous n'aurez jamais une table de qualité dans ces prix-là. Il faut mettre au moins un zéro de plus. Mais pourquoi faire aujourd'hui? Les Tone Match de Bose à partir de 590 euros et les QSC Touch Mix sont de véritables mixages de très haut vol. Et surtout, extrêmement simples à utiliser, particulièrement pour les musiciens. Stage de formation. Les prochains stages de formation auront lieu à Mirepoix. 23 et 24 avril, stage de formation pour les nuls Genos. Stage expert Genos niveau 1, c'est le 25 et 26 avril. Les formations seront assurées par Loïc Yvon et Loïc Boulan. Le stage de formation accordéon Roland sera animé par José Vizcaíno Leilo, FR1, FR4, FR8. Les stages Chronos et Montage sont déjà complets, mais nous vous informerons des prochaines sessions très bientôt. Le double DVD de formation Genos sort en avril avec plus de 4 heures de cours et un livret appendum très pratique. Et bien sûr, les formations en ligne PA4X, Genos, Tyros, Roland EA7, Roland BK7, Accordéon, Clavier Quetron sont désormais disponibles dans l'espace de formation dématérialisée. Coup de cœur. Le saviez-vous? Avant de se lancer dans le cinéma, Anthony Hopkins était musicien. Il a écrit une valse il y a 50 ans de cela, mais il avait peur de l'entendre et de ce fait ne l'a jamais jouée. Bien des années plus tard, il a transmis les notes à André Rieu, qui l'interpréta pour la première fois à Vienne en présence de l'acteur. Un grand moment pour Sir Anthony Hopkins et un standing ovation pour son talent. Et puis, juste avant de nous quitter, je me permets de vous rappeler le Salon de Francfort du 11 au 14 avril, un événement incontournable. Mais nous vous raconterons bien sûr. Quant à Philippe, c'est au Japon qu'il s'envolera pour rencontrer les concepteurs des instruments de musique qui nous font tant rêver au quotidien. Juste avant de nous quitter, vous avez des demandes à faire auprès des constructeurs, profitez-en, écrivez-moi. Vous souhaitez voir des améliorations sur vos claviers, écrivez-moi. Je vais être votre porte-parole au Japon. À bientôt.